Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 6. J'allais faire 6, n'importe quoi. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 6 des calendriers de l'Avent. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner le classement de l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Et la première personne qui me donnait un classement, j'allais faire ce qu'elle me disait. Et donc c'est Fanny, donc de la chaîne Nini Beauty. Je te mets bien entendu son lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle fait plein de choses, des haul nose, actions, des ouvertures de calendriers, etc, etc. Donc merci à toi Fanny de m'avoir donné ton petit classement d'ouverture de calendrier de l'Avent. Donc c'est parti, on commence. On commence avec bien entendu le calendrier Kinder que Fanny m'a dit d'ouvrir en premier. Donc la case numéro 6, ouh je la vois, elle est immense. Voilà, elle fait tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh mince, je suis en train de tout déchiqueter. Oh mais c'est encore un petit Père Noël comme ça, trop chou. Bon, et ça change parce qu'on avait eu deux petits Kinder avant, des petits Kinder chocobons là. Donc là, ça fait plaisir d'avoir un petit Père Noël. Du coup, pour le numéro 6, on continue avec celui-ci. Alors, elle m'a pas dit quelle case elle voulait que j'ouvre, mais je pense que je vais me laisser tenter par cette case-ci en espérant que ça soit autre chose. Donc clairement, pour ce prix-là, je crois que je l'avais payé 11 € le calendrier. Il est pas top top. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah mais c'est carrément autre chose. Oh mais là I love. Oh, j'aime trop. Oh mais j'aime trop. Alors là c'est clairement une réelle bonne surprise. Voilà. Alors je pense pas que le focus va se faire et je vais mettre un petit close-up. Mais j'aime trop. Alors là, tu verras rien du tout. Donc là, c'est un petit pendentif, voilà, avec Saturne, enfin une planète comme ça. Donc là, c'est un petit, un petit pendentif de collier ou bracelet. J'aime tellement, c'est violet, ça fait penser à une planète, voilà tout. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, par rapport à ce qu'on a déjà eu, c'est vraiment une belle surprise. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, je pense que je vais mettre sur une petite chaînette. Et mettre ça, voilà, au cou. Enfin, franchement, j'aime trop. Belle découverte, parce que franchement, celui-ci, depuis le début, je me disais pourquoi je l'ai acheté. Et si on a des choses jolies comme ça, on avance tout doucement vers le mieux. On continue avec le calendrier d'English Tea Shop pour le numéro 6. Hop. Donc c'est Gingerbread Treat. C'est comme le premier, non? Non, le premier c'était spicy machin. C'est comme le deuxième. Alors, on a déjà eu, hein. Ouais, c'est ça. Comme le numéro 2, Gingerbread Treat. Donc, j'aime beaucoup, hein. J'ai déjà beaucoup aimé le numéro 2. Donc, sans surprise, je vais aussi aimer celui-ci. Yes. Je vais beaucoup aimer, je pense. Ah oui, c'est celui-là qui sent fort quelque chose. Soit la cannelle, soit le gingembre. C'est fort à l'odeur mais c'est bon au niveau du goût. Donc voilà. Celui-ci sans surprise je vais l'aimer. On continue avec le calendrier d'été. Voilà. Donc Fanny a choisi un bon petit classement d'ouverture de calendrier. Alors le numéro 6. Ouh, il est juste ici. Cette fois-ci je ne galère pas aujourd'hui à trouver les cases. C'est déjà une bonne chose. Donc hier c'était bien une bougie rouge et non violette parce que j'ai mis à côté d'une violette et c'était clairement rouge et elles sentaient très bon. Là c'est une bougie blanche aujourd'hui et elles sont extrêmement bon aussi. Je pourrais pas dire quelle odeur ça a mais voilà, je laisse pour l'instant dedans et on va passer au suivant. Donc là, calendrier de Ben HPTS, le numéro 6. Alors... Moi et Blog The New Story, on se demandait est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que c'est celui-ci. Parce que le 9 et le 6, voilà. Voilà, ça se ressemblait, mais on s'est dit tous les deux que c'était sans doute celui-ci. Donc c'est celui-là que je vais ouvrir. Donc le numéro 6. Bon après si on se trompe, c'est pas grave. Hein. Donc, oui, je me disais bien que ça allait être des crayons. Alors, c'est hyper sympa. Ce sont des stylos comme ça, alors noir avec en doré toutes les emblèmes des maisons. Griffon d'or, Serpentard, Serre d'Aigle et Pouf Souffle. J'aime vraiment beaucoup les petits stylos comme ça. Alors j'imagine que celui-ci
écrit noir, il y a des petites paillettes dorées sur le bouchon. Et là, c'est un stylo rouge, pareil, avec toutes les emblèmes en doré dessus. Et là, nous avons un stylo vraiment Poudlard, comme ça, avec l'emblème en doré. J'aime bien ce jour numéro 6 du calendrier. Ça change d'hier où j'ai vraiment été déçue de la trousse que j'aime vraiment pas. Donc voilà, ça, c'est clairement quelque chose que je préfère. Et on va terminer avec le calendrier de Juju pour le numéro 6. Alors attends, j'ai pris la pochette. Oh, c'est sexy, t'attends, hein. Mon téléphone, quand je l'allume, là tout est natif. Tac tac tac, indice numéro 6. Ah yes. Alors, l'indice numéro 6, c'est... un truc qui se boit, du coup. Alors, soit une tasse, soit un truc qui se boit. Ah, attends, il est où le numéro 6? Faut que je le trouve, hein. Donc, ceci est le numéro 6. Oui, c'est pas le numéro 9, non, c'est le numéro 6. Voilà comment il est. Alors, il y a des bâtons. Il y en a plusieurs, des bâtons, il y en a 3. Et quelque chose d'assez volumineux, c'est juste ici. Qu'est-ce que ça peut être? Et ça fait... comme si on buvait quelque chose. Et l'indice supplémentaire, c'est ça pourra accompagner mes meilleurs chocolats chauds. Alors je sais pas, est-ce que c'est des cuillères pour faire des chocolats chauds? Je ne sais pas. Bon, découvrons ça parce que ça m'intrigue de fou. Il m'a tellement fait rire. Mais, ah si, je me disais, j'ai senti 3 petits bâtonnets. Waouh. Waouh. Oh, mais trop mignon. Ah là là, j'adore. I love that. Oh là là, elles sont trop belles. C'est donc des pailles comme ça, avec des petites choses comme ça de Noël. Oh là là, j'aime trop. Avec les couleurs vraiment... rouge, blanc, vert, le petit flocon, j'aime trop. Donc là, c'est un sucre d'orge, j'aime tellement. Là, on a le petit Père Noël avec sa hotte, aïe aïe aïe, j'aime trop. Et là, forcément, le sapin de Noël. C'est une super idée, merci Juju, je les adore. Et l'indice m'a tellement fait rire, j'ai une préf... pour le petit sucre d'orge. En plus, j'en ai distribué le week-end dernier parce que j'étais bénévole à un marché de Noël. Et du coup, j'ai distribué des petits sucres d'orge aux enfants. Donc, j'aime trop. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Juju. Donc, voilà. Donc, voilà pour... Mais ça veut pas me laisser... j'ai plein de notifs et du coup, à chaque fois que je parle, ça vibre. Donc voilà pour l'ouverture de mes calendriers de l'Avent du jour numéro 6. Dis-moi toi aussi ce que tu as eu ce matin dans ton calendrier et quel type de calendrier tu as, parce que personne ne m'a dit encore quelle sorte de calendrier de l'Avent vous aviez. Enfin, ah si, quelques personnes sur Instagram. Donc voilà, merci encore Juju et merci à Fanny qui m'a voilà donné ce petit classement là. Je demanderai chaque jour sur Instagram avant de filmer la vidéo à quelqu'un, voilà, de me donner le classement d'ouverture des calendriers de l'Avent. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Les liens sont en barre d'infos. À t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner qu'il y a juste ici, voilà. Ou sur ma petite tête qui va apparaître juste là. Et tu auras ma dernière vidéo juste ici de l'ouverture de calendrier d'hier. Voilà tout. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine. Salut. À demain matin, si possible, 7-8 heures. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Nothing you could ever know.
make my wish come true. All I want for Christmas is you. You.